On regarde le vélo, nous. Attends, Justine. La pression, le public et tout là. Bien Noah. Thank you.
dû aller par télévision privée. Naïl qui décale à l'arrière gauche, Louis, Naïl, Joshua, la passe pour le pivot, Janet. Sur la petite glissade là de Matisse, il a réussi à se relever, le but de Naïl Thierry. Donc 31 à 10 au total de ce match et 12 à 4 dans cette deuxième période. L'attaque de poker, attention. Et c'est bien neutralisé par Joshua. Poker, une équipe de bas de tableau qui s'est passée aujourd'hui à Montpellier, premier du championnat. Et une belle faute là de Ali. Peut-être nécessaire. Sur la frappe antenne et l'arrêt. L'arrêt de Noah Pivot. Et derrière l'attaque Montpellier avec Loïs. Naïl, c'est une balle de plus 22 déjà. Naïl, il décale à l'arrière gauche Loïs. Naïl, et la frappe antenne et le but. Le but de Naïl, une nouvelle fois à 9 mètres en appui. Ça fait deux fois d'affilée qu'il marque comme ça à 9 mètres. Et derrière l'attaque des Reds de Boker. La passe pour l'ailier ou la petite zone. Et c'est sifflé par l'arbitre. C'est bien sifflé par l'arbitre. Et derrière, les Montpellierains qui ont une balle de plus 23. La passe pour Matteo Dolis. Et c'est bien. Alors, ça méritait un pénalty. Il était à 6 mètres. Ça va rentrer en deuxième pivot de Mathis Benissieri. La passe de Loïs pour Matteo et le but. Le but à mi-hauteur de Matteo Chagny. Et donc 33 à 10. À la grande surprise, les Bokérois ne perdent pas espoir. En tout cas, ils ne font pas de mauvais gestes. Et le but de l'arbitre, très gentiment, ne lève pas le bras. Pourtant, l'engagement a été long. Naïl pour Matisse. Matisse avec Loïs. Loïs pour Joshua. Oh, il aurait pu décaler. L'arbitre n'a pas sifflé. Attention, zone de Matteo. Et derrière les Bokérois qui ont marqué. Et le but de Denaïl. Et ça y est, la seconde mi-temps commence. La troisième mi-temps commence. Et c'est le MHB qui a l'engagement. Je me perds, c'est le troisième, c'est le tiers-temps. Troisième tiers-temps, Naïl est le premier but. Premier but de cette troisième mi-temps, pourtant toujours. Il y a une faute. Oui, je n'ai pas dû bien voir. Que personne n'a vu visiblement. Apparemment, il y a une faute. Oh, l'ailier. Oh, dommage. Et c'est deux. Bel arrêt de Paul Sicard. Gardien normalement numéro 1 de l'équipe.
avec Axel en numéro 2. Voilà, Axel qui est disponible aujourd'hui. Jules pour Naïl. Naïl avec Ali à l'aile gauche. Le but, premier poteau. 36 à 12. C'est une leçon de vie que donnent les Montpelliérains au Tarasconnais de Perrois. Jean-Louis, ça se fera voir là sur ses duels. Ça frappe à l'aile et c'est à côté. C'est à côté. Frappe numéro 2 de Perrois. Avec Louis. Mais la passe à Naïl. Et là, encore une fois, le stade de Sun vide. Pour remarquer, l'appel passe de Louis pour Matteo Chanu. À 7 mètres, en pleine lucarne. Ce magnifique but de Matteo Chanu qui permet au Montpellier d'avoir 3 buts dans cette troisième et cinquième. La bonne dissuasion là de Louis. Alors, la perte de balle. La perte de balle est derrière Ali. Et ça calme le jeu côté Naïl. Très bien, Naïl calme le jeu. Il joue sereinement peut-être. Attention, Naïl a été surpris par cette passe lointaine de Jules. Il ne pensait pas la recevoir comme ça. Donc la balle est sortie en touche. La frappe lointaine, encore une fois, cette frappe à 8 mètres à côté. Et donc Montpellier n'a toujours pas pris de but. Dans ce troisième tiers-temps. La frappe en tête de Naïl, la première frappe à 9 mètres à côté. Que se passe-t-il à ta tête? Le doute. Est-ce que Naïl serait-il en train de craquer mentalement? Et on le rappelle aujourd'hui, l'absence du coach titulaire de Montpellier, Valentin Bizou, de l'arrêt là de Paul. L'absence de Valentin Bizou, remplacé temporairement par Damien Rouquette. Naïl pour Matteo qui rend Naïl et l'arbitre qui ne laisse pas jouer. Il aurait dû laisser jouer la passe de Matteo pour Ali. Il essaie de se retourner Matteo et c'est un 9 mètres sifflé pour les Montpellierains. Loïs avec Naïl pour Loïs avec Jules. Oh, le décalage est créé, la belle passe à l'aveugle et le but de Joshua. Deuxième photo, magnifique. Et oui, la belle passe à l'aveugle de Jules. Oh, la belle interception de Naïl. Et Matteo Chanu calme le jeu. On entend les instructions du gardien Beaucarois. Attention les gars, prenez de la place. Et le but. Le but de Ali Hassan. Nous rappellerons que ce n'est pas du tout son poste d'ailleurs. Oh non! Et oui, normalement, Ali Hassan est demi-centre, voire arrière. Mais là, Damien Rouquette a envie de voir les joueurs d'un peu partout. Et Naïl qui joue sur Loïs. Le MHB. Oh, on a une combinaison annoncée par Loïs. 6 à gauche. 6 à gauche, et lui n'a pas compris. Il lui a dit quoi? Naïl, la frappe lointaine. Oh, l'arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Ça, c'est un bel arrêt. On va voir aller jouer au local. Oui. Et on m'apprend à l'oreillette. On m'apprend à l'oreillette qui vient d'être sélectionné en équipe de France. Oui. Et oui, 5 à 1 en 5 minutes 14-15. On a vu une petite discussion. Jules et Loïs, peut-être savoir à quelle heure. C'est reparti. Alors, on a eu une rentrée de Matisse à l'aile droite, à la place de Joshua. Et oui, alors attention parce que là, Damien joue avec seulement 5 joueurs. Il en prend combien? 2 minutes. Le penalty. La feinte et le but. Le but en bas à gauche de Naïl. À droite, pardon. Et donc
Oui, on remarquera bien hein, le chat tactique de Damien, c'est jouer en intériorité numérique alors qu'ils n'ont même pas de 2 minutes. Oh, le bel arrêt de Paul. Beaucoup s'illustrer. Et c'est reparti. Ali, pour Jules. Qui redonne à Ali. Aïe. Là, ça a beaucoup distribué côté Montpellier, je pense. Jules. Oh, la belle passe. Non, malheureusement, non. Pourquoi on dépasse une belle passe, en fait. Déroule, tu veux. C'est le choix de tactique de Damien. Ouais, ouais. 5, c'est bon, on joue 5. Ouais, je pense que c'est pour voir comment on fait quand on est moins 1. Et encore une récupération, on peut y rien, pardon, je n'avais pas vu. Attention à la rentrée, il aurait pu jouer la gratte, comme on dit dans le jargon handballistique. Mathis qui rentre en deuxième pivot. En premier pivot, du coup. La passe, oh là là, l'arbitre qui laisse jouer, il y avait une petite faute. Ali pour Loïs, elle n'est pas sortie la balle. On joue sur le Jules. Jules qui est passé. Oh, le joli Chabala. Le joli Chabala de Jules. Jules Bessis qui fait bonne impression, je pense, de son coach. Et une erreur de Bocaro. Ensuite, un arrêt pas conclu par Paul. Malheureusement, il aurait dû arrêter ce tir. Il ne l'a pas fait. Pour l'instant, ça joue de l'autre côté avec Montpellier. Naïl pour Matisse. Benzisseri. Il est totalement la passe à l'adversaire. Et oui. On va lui rappeler que son équipe joue en bleu et pas en rouge. Premier but que Noah a subi dans cette troisième période. Pourquoi on joue avec le moine tout à l'heure? Qui c'est là? Ça fait 8 ans qu'on le dit. Ouais. Ça fait 8 ans qu'on le dit. Et le pénalty. Le très bon pénalty. 15 et le pénalty qui va être tiré par Ali. Ali Hassan. Et c'est arrêté. C'est arrêté par le gardien numéro 17. Oh, la passe rondée, mais c'est une passe ratée. Après, à part le gardien, aucun changement. Le but, beau but là, de Naïl en lucarne, premier poteau. Assez compliqué de se tirer à cet endroit-là pour un droitier à droite. Oh, attention! Ah oui, il s'est attrapé un petit peu haut. L'arbitre est gentil avec Naïl. Oui, il a pu prendre à 2 minutes. Il attrape un petit peu haut. Je pense que l'arbitre est un peu droit. Attention, c'est bien ça de la part de Loïs. Très bien défendu. Il va seul, il va seul, il va seul. Et le bel arrêt. Le bel arrêt là de Noah, même si c'était un arrêt facile, ça fait quand même un arrêt et c'est pas mal. Et derrière les Montpellierens qui jouent. Ali qui va aller chercher le duel. Là il la frappe lointaine. Oh, le bel arrêt. Et le pied, oui, le pied bien vu là de la part de l'arbitre Antoine. Et un bel arrêt là du gardien sur cette frappe lointaine de Naïl. Oh, Maxis. Frappe et arrêt. C'est compliqué hein, quand on est à l'aile à droite en droitier. Mais bon, ça part en tout. Aïe, la frappe sur le gardien. Sur le gardien, là, cette frappe. Et cela fait maintenant 3 attaques que Montpellier n'a pas marqué de but. Ça commence à faire beaucoup. Attention. 42 à 15. La frappe pour le bel. La belle main ferme de Noah. Belle main ferme là. On peut
la déception du coach. J'ai eu Il y a eu une petite faute de main. Qui permet de relancer Montpellier. Alors, il n'avait pas marqué de faute. Il y a eu un changement, le numéro 2, Naïl, est sorti à la place, il est sur la place au numéro 65, Joshua. Et non, Joshua. La passe pour l'ailier, Loïs. Loïs pour Ali, oh le décalage est créé. Et attention Mathis, oh dans la zone, attention s'il n'y avait pas Luc. C'est une stage innovation. Et la rentrée de Matteo Chanu. Et Matteo Chanu qui rentre à la place de Ali Hassan. Jules Bessis, c'est le but. Le but encore une fois de Jules Bessis. 44-17 donc, dans ce match, 10-5 dans cette deuxième période. Oh la déception là sur le numéro 15 de poker. On a perdu à ce cri. C'est là. En même temps, vu le score, c'est normal qu'il rage. Joshua, la frappe, entrée, Mathis peut-être. Et le but. Oh la grosse cagade par contre, là, du goal. À droite, c'est compliqué que ça marche. Mais là, au bout il n'y a pas aussi si bien que ça. Le but une nouvelle fois, ça commence à faire beaucoup de buts encaissés par les Montpellierains. C'est beaucoup trop. Il va vraiment falloir se relancer. Là. Il n'y a que 5 buts d'écart dans cette surface. Voilà, la frappe est venue. Un beau but là, de la part de Joshua. Et 46-18. On rappelle que Montpellier avait gagné le postière à l'aller. 48-20. Et 48-18. Donc postière, on le rappelle, dernier de ce championnat qui va se jouer la dernière place avec le père. Attention, la contre-attaque pour Loïs. La belle action là, Montpellier. Et une homme mise en place là par Damien Rouquet. Damien Rouquet qui veut aller chercher peut-être, pourquoi pas les soins. Mais pas de soin. Je suis tout à fait. Ah, il a dit une nouvelle vue. 47-19. Il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Loïs pour Jules. Jules, oh bien attrapé par le numéro 15, attention, il a été passé, Jules, ça aurait pu mériter les 2 minutes. Le poteau, sur son frappe de Naïl. Joshua, le marché. Le marché, une nouvelle fois, Joshua. Au score 47-19, même si Montpellier. Je peux lâcher.